Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Forge Magie. On va commencer en douceur avec un bon écho, voilà, pour se rappeler un petit peu les petits items du bon vieux temps. J'ai un G quand même qui est pas trop mal. Ici, on a les 297 de Vita. On a le PA qui est tombé. A priori, j'ai 93 depuis. J'ai un petit peu remonté l'historique pour avoir ça. On va commencer par la sagesse, qu'on va monter tout de suite à 38, moins 9. J'hésite à mettre l'ini ou pas, mais là, je pense qu'au stade où on en est, on peut la mettre. Ça fera toujours plus beau. J'aurais pu avoir des énormes tentas si je l'avais pas mise, mais. On a donc moins 40 pour l'ini. Oui, c'est ça, moins 40. 44 depuis restant. J'ai le choix en fait entre aller sur des raises ou sur de l'overvita. Je pense que les raises c'est pas mal. C'est peut-être un peu plus vendeur. On va tenter du coup juste une petite rune puits. Ça passe pas. Donc 42, j'ai 7 tentas. On va mettre des res terres. En général, ça se vend bien, les res terres. Dans la tête de certaines personnes, c'est un petit peu le plus important. Enfin, en tout cas, à une période, c'était ça dans une méta. Maintenant, je pense pas que ce soit autant le cas actuellement. Ok, 1. 1%, c'est léger. On n'a pas le PA. 89 de puits sur ce PA qui est tombé. On va commencer par la rune de puissance, je pense. Ou non, je vais la garder pour la fin. On va faire Refeu. Je réfléchis à comment je vais gérer l'ini en fait là. Je pense que je vais monter à 391, ce sera correct. Moins 2. Donc le. Ouais, je vais faire l'ini tout de suite. Ok, ça crit. Moins 30. L'esquive PA qui passe, moins 7. Le tacle qui crit, donc moins 11 ici. La puissance. Moins 36, décidément. C'est un petit peu décevant. Bah, du coup, on va faire une rapuie. Une ravie, pardon. Qui passe, est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. Le PA est tombé avec une rune Patak. Grâce à un super travail collaboratif avec le chat, on a pu déterminer qu'il nous restait 93 de puits. On va partir également sur conseil du chat sur un Overvita, puisque c'est vrai que sur ce genre d'item à ce level, les Overvita sont peut-être un petit peu plus vendeurs. On va aller chercher le père fini, je pense. Ah, j'ai envie de mettre deux runes ini pour monter à 340, mais je suis vraiment pas convaincu que ça passe à 320 comme ça. À mon avis, ça va être un poil compliqué. Je pense que c'est plus safe en fait d'y aller en raini. Ok, c'est crit en plus. Et ensuite en récri. À mon avis, on prend moins de risques. Voilà, bon, j'ai 399. Mais j'aurais vraiment eu peur de foirer le truc. Donc on va garder la vita pour la fin. On va mettre l'arrêt feu. Moins 2. Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit? Pour sans feu. Mais qu'est-ce qu'ils me disent? Ouais, il y a du troll, il y a du troll. Mais c'est l'ambiance, c'est l'ambiance. Ok, je pense que je suis bon hein, sur mon puits. Ok, moins 6 ici. On va mettre le tacle. Qui passe, moins 4. On va mettre la part écrit. Moins 6. Moins 14. Ce qui nous fait 61 de puits. 61 de puits. Je vais y aller à la. En fait, j'ai envie d'y aller à la ravie. Donc, on va juste mettre une rune vie. Hop. Qui passe. Incroyable. Et si ravi. Alors on monte à combien? Ok, 385, c'est déjà beau hein, comme over. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA, dommage. 96 de puits sur ce PA qui est tombé. On a l'initiative qu'on va monter avec de la Paini, ça va bien se passer.
Ok, moins 3. On va ensuite s'occuper des refeux. Alors idéalement, j'aurais dû avoir des pare-feux en stock, mais on va dire que c'est pas grave. Moins 4. La repère-feu qui crit, le tacle. Moins 4, ok, ça monte plutôt bien pour l'instant. La répa qui passe, moins 7. La puissance, moins 6. Eh bien, on est pas mal, hein. 72, on va mettre 4 pavis et 6 ravis ensuite. Ok, on a eu un crit, on en remet une. Et 6 ravis. Est-ce qu'on va chercher les 502 vita? Ce serait beau. Ce serait plutôt joli. Déception. On est sur une déception officielle. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 93 depuis sur ce PA. Bon, on me dit que j'ai peut-être un petit peu de puits résiduels d'avant, mais on va jouer la sécurité, on va pas s'embêter. Moins 4, ce qui nous fait 89 de puits. Et j'ai oublié de racheter des ravis. On est sur de la déception officielle. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que notre jet, il est déjà maxé. Et qu'on va aller mettre, on va aller mettre de la rune là-dessus. Donc on va juste refaire des ravis, parce que j'ai oublié de le faire avant de lancer le record. Et on va partir sur 9 pavis et 8 ravis. Et si je me retrouve encore avec un 303 de vita, je vais me sentir bizarre. Parce que là, quand même, on va pouvoir tenter du gros jet. Donc, on va partir sur allez, 550 runes pavie. On va faire 120 runes ravie. Hop. Et on va tenter tout ça. Je pense qu'on a moyen de sortir un gros jet quand même là. Je suis assez confiant. Si on n'a pas de la grosse vita qui sort sur cette tenta, je ne sais pas comment on sort de la grosse vita. Allez, 3 pavis. Ok, on a un crit. Ok, et 8 ravis. On peut avoir le 505, les amis, ce serait magnifique. Ce serait magnifique d'avoir le 505. Est-ce qu'on va l'avoir? Je sens les chances s'amenuiser rune après rune. Et décidément, ça passe pas très bien. Hein. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 95 de puits pour ce PA. Qui a mis un petit temps à venir quand même, hein, on peut le dire. Alors l'initiative est pas trop mal. On va y aller à l'arrêt feu. Qui passe. Moins 2. Ensuite, allez, on va mettre les runes paraises. Par écrit. Ok, moins 6. Repère feu. Ça crit. Répa. Moins 14. La papuie. Moins 12. La passa. Moins 9, ce qui nous fait donc 52 de puits. Ça m'aurait bien arrangé d'avoir un de plus. Que faire? Bon, tant pis, on va y aller sur 4 pavis. Et 4 avis. Bon, ok, ça m'arrange presque que ce soit à 300 piles, comme ça les... on est pile au max, c'est pas mal pour passer les ravis. 4 ravis, c'est parti. Une. Une. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a toujours pas le PA. 94 de puits pour ce PA qui est tombé. On a la puissance à 50, ça fait plutôt plaisir. On va monter l'INI. Je pense que je vais aller la monter plus haut que ça, ouais. Moins de 3. Comme on a la reste-feu par exemple qui peut permettre de rebaisser facilement, c'est pas mal. Ok, sauf si ça crit. Du coup, on y va sur la récré. Oui, c'est moins 20, autant pour moi.
Bah oui, j'ai confondu avec la Vita. La Vita, ça m'aurait fait moins 10, mais je suis un petit peu débile. C'est pas grave, on va laisser comme ça, de toute façon, on n'est pas après. Moins 2. Moins 2, moins 2. Le tacle, moins 4. On va mettre, allez, les raises. Qui crit. L'esquive PA. Moins 7, ce qui nous fait 78 depuis. Et 78, c'est quoi? C'est 13 tentats. On est sur un 13 tentats raise, et je pense que là, ça peut quand même être, ça peut être sympa de faire un petit 13 tentats raise quand même. Ça peut faire un truc stylé. Donc on est parti pour un 13 tentats raise terre. Quand on a un beau multiple comme ça, c'est dommage de ne pas le faire. Allez, on va voir, on a combien qui sort. Bon, on est sur du 1% pour l'instant. 2%. 3%. 3%. Est-ce qu'on a le PA sur ce joli 3%? On n'a pas le PA. On reprend notre bon écho après une petite pause. On a 95 depuis sur ce PA qui tombe. Alors on a les 40 de sagesse. On va voir ce que donne la papuie. Est-ce que je la monte en premier la papuie d'ailleurs? Non, je vais la garder pour plus tard. On va d'abord faire l'INI que je vais monter à 391. Alors on a eu un moins 3. On a un moins 20. Moins 18 pour la RFE. Ah merde, il y a des gens qui me font rire dans le chat, excusez-moi, j'y peux rien. On a moins 12. Par écrit, moins 6. La pataque, elle passe en crit, c'est cool. Est-ce qu'on a la papuie? Moins 6. 30, allez, 3 ravis. 1, 2 et 3. Allez, est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA, ça change pas, on a l'habitude, il n'y a pas de souci. 93 de puits sur ce PA qui est tombé ici. Alors on a les 40 de sagesse et les 40 de puissance, ça pourrait nous faire un G perf. Ah non, on n'aura pas l'ini perf, mais on aura un G en tout cas plutôt sympa. Je pense que je vais simplement. Ah, j'hésite en fait sur ce que je fais avec l'ini. Si je fais une rune pas ini, j'arrive à 316, donc ça me fera un over de 16. Bah, ça peut être pas mal ça. Parce que du coup j'enlève 20 avec une feu. Et on peut être pas trop mal. Donc là j'ai moins 13. À l'arrêt feu. Ah bah oui. Merci Dofus. Oui. Oui. Ah bah quand même. On a failli être déçu de faire des succès crit. Donc ensuite le tacle. Ok, ça crit. Donc en fait, je pense qu'il y a tout qui va crit sauf le PA, hein, comme d'habitude. On est donc à moins. Ok, il y a la Réfeu qui rétablit un peu le karma des choses. On est à moins 24, ce qui nous fait 56 restants. On va faire 2 pavis et 5 ravis. Hop. 5 ravis. C'est pas très bien, mais c'est quand même un petit over. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 94 de puits sur ce PA qui vient de tomber. On va avoir la puissance à 50. On a la sagesse et la vita qui sont pas mal. Ça, c'est la bonne nouvelle. On va peut-être partir en reste, du coup, on verra ça. Alors, je vais commencer par l'INI. Moins 3. Ensuite, l'air et feu. Moins 2. Ensuite, les par écrit. Ok. Moins 12. Personne n'a vu que j'en ai passé deux d'affilée, et heureusement que j'ai pas fait un over là-dessus. Ok, l'air et feu qui passe pas trop mal. Donc là, en fait, pour en passer 6, on vient d'avoir ce que ça nous a pris d'en passer une à l'attentat d'avant. Voilà, je dis ça, je dis rien. Donc moins 24. 53 restants. Est-ce qu'on a la papouille? On a la papouille, moins 6.
Donc 47 depuis. Si je pouvais avoir un de rab, ce serait pas mal. Ça me permettrait d'avoir une tenta raise en plus. Alors je vais check ici, j'avais 3, 1. Donc ça me fait 6, là 10. Ok, donc là j'ai vraiment des brouettes depuis ici. Là j'ai plus 2. Et là a priori j'ai tout perdu. Ouais non, ça va être compliqué. Donc bah 47, on fait pas grand chose avec ça. On va... En fait là j'en suis un petit peu. Ah bah tiens, je sais ce que je peux faire pour mettre une runini. On peut faire 5 tentats runini. Je crois que on est à un stade de tilt où on va complètement faire ça. Ah non, je peux faire une tenta sagesse. Donc moins 3, 44 et 2 tenta ini. Une et 2. Ce qui me fait donc 7 tenta rester. On sort combien de pourcents? 2. 2%. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 77 depuis pour ce PA vraiment foireux, on peut dire ça comme ça. Voilà, vous voyez l'historique, on est vraiment juste après le précédent et c'est vraiment. Ça tombe sur une Rasa, donc bon, on n'est pas très bien quoi. Après, on connaît Dofus, hein, c'est là-dessus que ça va passer, c'est un peu classique. Donc, on va commencer par les repères feu. Et tant pis pour les nids, je vais la laisser comme ça, je pense. Ça ne traumatise pas plus que ça, je vous avouerai. Moins 6, les esquives PA. Moins 14. Bah plus que la papuie a passé et on est bien. Hein. Moins 12. Donc 45 de puits restants. Je peux éventuellement quand même remonter l'ini. Je vais faire ça. Voilà, moins 3. Et je peux juste mettre une petite rune vie pour enlever. Voilà, c'est un peu mieux. Donc 42 restants. Je vais mettre 2 vies et 4 avis. Au point où j'en suis. Hop. 1, 2, 3 et 4. On a un over qui est quand même correct. Alors bien sûr, ça devient de manière complètement improbable sur un 77 depuis. Mais bon, c'est Dofus, c'est la forge de magie. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. 77 depuits pour ce PA vraiment foireux, on peut dire ça comme ça. Voilà, vous voyez l'historique, on est vraiment juste après le précédent et c'est vraiment. Ça tombe sur une Rasa, donc bon, on n'est pas très bien quoi. Après, on connaît Dofus, hein, c'est là-dessus que ça va passer, c'est un peu classique. Donc, on va commencer par les repères feu. Et tant pis pour les nids, je vais la laisser comme ça, je pense. Ça ne traumatise pas plus que ça, je vous avouerai. Moins 6, les esquives PA. Moins 14. Bah plus que la papuie a passé et on est bien. Hein. Moins 12. Donc 45 de puits restants. Je peux éventuellement quand même remonter l'ini. Je vais faire ça. Voilà, moins 3. Et je peux juste mettre une petite rune vie pour enlever. Voilà, c'est un peu mieux. Donc 42 restants. Je vais mettre 2 vies et 4 avis. Au point où j'en suis. Hop. 1, 2, 3 et 4. On a un over qui est quand même correct. Alors bien sûr, ça devient de manière complètement improbable sur un 77 depuis. Mais bon, c'est Dofus, c'est la forge de magie. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. 88 de puits pour ce PA qui vient de tomber. Avec une patac. On va faire quelque chose de ce item. On aura le perf sagesse, perf puissance. Encore une fois, l'initiative a été un peu problématique, mais pas plus que ça non plus. On va commencer par s'en occuper. Bah, je vais encore la monter. Hein. De toute façon, si ça crit, c'est plutôt cool. Moins 10. Et à nouveau, je récupère à la rune Réfeu. Voilà, c'est très bien. Bon, voilà, on a fait un truc correct. Hein, on n'aura pas mieux que ça. Ensuite, les récris qui passent plutôt bien. Le tacle. Moins 4. L'esquive PA. Moins 7.
Les restes feu qui nous prennent un moins 18. Plus que la papuie. Moins 6. Ce qui nous fait 37 depuis. Je vais faire une rune vie. Ou même une rune ini plutôt. Moins 1. 2 pavis et 3 ravis. Ok, j'ai eu un crit. On est sur un fail de comptage de puits. Est-ce qu'on a le PA? De toute façon, on n'a jamais le PA, donc on peut faire ce qu'on veut avec le puits. À la fin, on n'a rien, donc il n'y a aucun souci. 79 de puits sur ce PA qui tombe sur une rune par et pas. Autant dire que ça a déjà coûté assez cher. Mais l'item est sur un G pas trop mal. On n'est pas très longtemps après le puits précédent. Alors, moins 6 pour les refeux. Moins 21 pour les esquives PA. Ce qui nous fait 52 depuis. Et eh bien écoutez, je vais mettre 2 runini et 5 ravis. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 99 depuis pour ce PA qui vient de tomber. Bon, on a quand même une petite odeur de désespoir qui commence à se faire sentir. C'est-à-dire qu'on vient de passer une journée sur un bon écho. Mais on a les nerfs solides, donc ça va bien se passer. Moins 4. Le tacle. Moins 4. Moins 4 pour les RFE. Moins 6 pour les repères feu. Moins 7 pour les esquives PA. Plus que la passa. Moins 9. Donc 65 de puits restants. Je pense qu'on va faire 5 pavis et 6 ravis. Ça me paraît correct. Ok, 6 ravis. Une qui passe, deux qui passent. J'ai encore mal compté mon puits, décidément. C'est pas facile aujourd'hui. Il y a un peu de fatigue qui vient s'en mettre derrière, hein. On va pas se mentir. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? De toute façon, le PA on l'aura jamais, donc à partir de là, on fait un petit peu ce qu'on veut avec l'item. On sait que le FM n'a pas de fin. Voilà, c'est aussi simple que ça. 96 de puits pour ce PA qui est tombé ici. On va commencer par les petites restes fixes. On n'aura pas besoin de retoucher l'initiative, ça c'est une bonne nouvelle. Les runes tac, moins 8. L'initiative, moins 20. Les par écrit, moins 12. Les papuis, moins 6, la sagesse, moins 9, 41 de puits restants, j'espère que cette fois-ci j'ai à peu près compté comme il faut, parce que jusque-là c'est pas brillant. On va mettre une petite rune vie, allez pour le fun, 4 avis, let's go. Intéressant. Intéressant, on a un over plutôt conséquent. Est-ce qu'on a le PA pour cette dernière rune PA du désespoir? On n'a pas le PA. 95 de puits pour ce PA qui se présente plutôt bien. On a la puissance maxée, les trois premières lignes, on n'a pas besoin de les retoucher. On va peut-être s'occuper un tout petit peu de l'ini quand même. On va aller chercher l'over, je pense. Allez, 1, 2 et 3, moins 9. Qu'on récupère sur l'arrêt feu. Moins 2 ici. Moins 2 par là.
Ok, on va tenter une pataque. Je suis en train de me rendre compte que j'en ai plus qu'une en stock. Ça me fait un peu stresser. Je déteste quand je termine un stock de runes. Ok, moins 12. Les reste-feu. Moins 6. Les esquives PA. Moins 7. 57 depuis. On va tenter une rune ça. Et on va tenter 9 runes réperter. On a le 3%, est-ce qu'on a le 4%? On n'a pas le 4%. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 91 depuis sur ce PA qui vient de tomber. On a un G qui est pas trop mal, qu'on va pouvoir exploiter de manière à peu près correcte. On va commencer par l'arrêt feu. Moins 2. Ensuite, les par écrit. Moins 12. Le tacle. Moins 4. Les restes feu qui crit, les parés feu qui crit également. On a donc 73 depuis. On va y aller quand même. On va soigner l'initiative hein, vu le rab qu'on a. Moins 3. 70 depuis restant. On va y aller à la rune vie pour enlever le mini over. Donc on a 7 ravis. Ok, on a eu un crit. On a donc encore une tenta. Qui ne passe pas. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 94 de puits ici. On va commencer peut-être par l'INI. Ouais, on va monter l'INI. Allez hop. Tac, 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 moins 6. Qu'on va baisser à l'arrêt feu. Qui crit. Ok. Moins 4. Ensuite le tacle. Moins 4. La part écrit. Moins 6. Les repères feu. Moins 12. L'esquive PA. Moins 7. 55 restants. On va donc faire 5 pavis et 4 avis. Ouais, ça me paraît bien. On a un bel over. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 91 depuis sur ce PA qui est tombé, je l'avais pas trop vu, j'ai regardé le chat. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par l'INI qu'on va monter à 396. Moins 9. On va ensuite s'occuper des refeux. Moins 6. Des récrits. Qui crit. Des runes tac. Qui crit. Des runes répa. Qui crit. Donc en fait, tout va crit sauf le PA. Hein, c'est un peu comme ça que ça marche. Moins 12 ici. 64 restants. On va faire une vie. On va faire une pavie et 6 ravis. Est-ce qu'on en a quelques-unes? On monte à combien? Ok, nickel. J'adore, hein, c'est parfait. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA, c'est réglé. Nickel, tout va bien, j'adore Dofus.
95 de puits pour cette belle tenta qui va nous donner du G-perf. On va pouvoir aller chercher le perf Exorez. Ah non, pardon, encore une fois, j'oublie l'initiative qui peut poser problème. Moins 3. On va la laisser comme ça. On va pas trop s'embêter. Monter les refeux. Moins 4. Les récris. Le tacle. Ok, pas trop mal. Moins 8. Les esquives PA. Moins 7. Les res. Moins 6. Moins 6 pour la Vita. La Ravi qui crit. J'ai un restant. On va le mettre sur l'ini. Ok, j'ai donc 6 Ravi. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 91 de puits sur ce PA qui vient de tomber. On a les 40 de sagesse. On a l'initiative qui est bien maxée. On va commencer par les refeux. On va faire les récris. Ok, on a du crit pour l'instant. Le tacle. Moins 8. Les esquives PA. Moins 7. Moins 6 pour les raises. Ce qui nous fait donc 70 de puits restants. C'est parfait. 7 tentes à ravi. Ça peut nous faire un bel over éventuellement. Ok, on a eu un crit. Est-ce qu'on a le 441? On l'a pas. Est-ce qu'on a le PA? On l'a pas. 99 de puits pour ce PA qui vient de tomber. On va monter. Allez, Lini, on va le mettre ici. Moins 10. Moins 9 pour la sagesse. Moins 7 pour l'esquive PA. Moins 4 pour les récris. 69 de puits restant. On va donc faire 3 pavis. Et 6 ravis. On a un bel over, est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. 99 de puits pour ce PA qui est tombé ici. Ça va être un peu compliqué, on est en train de remonter l'item, il est dans un sale état. On va commencer par l'initiative. Ok, si on a par contre, bah, on peut avoir du crit éventuellement, comme il n'y a rien sur l'item, genre moins 3 pour ça, ça fait plaisir. Les RFE. Moins 12. Les récris. Bon alors idéalement il faudrait peut-être ne pas monter les lignes comme ça à fond. Genre j'aurais peut-être déjà dû remettre du tacle avant de m'attaquer à ça et de les maxer. Mais bon voilà, c'est la théorie. Là dans la pratique on est surtout sur un tilt généralisé. Donc là on a moins 8, moins 12, moins 16. Les esquives PA. Moins 21. Les repères feu. Moins 24. Là pas ça. Moins 9. Il nous reste 12 depuis, nickel. On va mettre... On va tenter... qu'est-ce qu'on fait? Je peux espérer peut-être qu'il me restait un tout petit peu de puits d'avant, même si j'en doute franchement. Là j'avais 3, là j'ai 7, là j'ai plus 1, là j'ai... ça retombe. C'est très très peu probable que j'ai... Je vais tenter le coup, je veux dire que ça se trouve j'ai 13 de puits. Bon, on va déjà tenter la ravie, si ça passe pas ce sera réglé. Ouais, bon j'ai la ravie. Bon on va déjà voir si le PA passe. Bon, ça passe pas, de toute façon ça passe jamais, comme ça il n'y a aucun souci, pas besoin de calculer, tout va bien.
91 de puits sur ce PA qui vient de tomber. On va laisser de l'initiative comme ça. On va tranquillement remonter les petites lignes. Allez, les restes fixes. Moins 2 ici, moins 4. La repère feu. Moins 6. La papuie. Qui crit. La passa. Moins 18. Ce qui nous fait 63 de puits, donc une pavie et 3 et 6 ravis, pardon. Alors on en a une. On en a une. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On a le PA. C'est pas la première fois que ça me fait le coup, hein, c'est-à-dire que ça fait trois streams que je fais sur cet item et il passe en première tentative sur un nouveau stream. Après une nuit complète de tilt hier avec mes plus fervents abonnés, on a enfin passé cet item infernal pour avoir un jet qui n'a absolument rien d'incroyable. On est à 25 puits PA. Normalement, sur la vidéo compilation, il y en aura 24 et il y en a un 25e que j'ai pas mis parce qu'il était vraiment pas intéressant. On est sur un item non rentable, autant du niveau des Kamas qu'au niveau des nerfs, qui ont pris un petit coup quand même. Mais en tout cas, c'était une aventure collective fort intéressante à partager avec vous. Je pense que dans la vidéo, on me voit passer par un paquet d'états psychologiques différents. Les abonnés qui étaient présents en live reconnaîtront des petits moments sympas qu'on a partagés. Donc l'item en soi, du point de vue Forge Magie, pas grand-chose de fou, mais le... Bon, ça nous laissera un petit souvenir quoi. Je suis pas prêt d'y retoucher, hein, je vous annonce. Mais écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, commenter, vous abonner. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.